Qu'est-ce qui vous brûle devant vous? Alors, vous êtes venu à Narbonne, pour quelle manifestation exactement? Alors, pour une manifestation en faveur des droits des femmes. Est-ce que les femmes ont tous leurs droits? Alors, en théorie, oui, en pratique, pas forcément. Donc, leurs droits sont bafoués. Sur quel point? Au niveau du travail, au niveau aussi de leur parole, qui n'est pas forcément respectée, qui n'est pas prise au sérieux. D'accord. Et alors? Et au niveau du temps de travail aussi, à la maison, bien sûr, ouais. Qui n'est pas le même, les responsabilités. Et les féminicides, vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux quand même. Oui, mais je pense qu'ils existent depuis très longtemps, on commence à peine à en parler. Ouais. Après, les questions dans l'actualité, toujours, avec notamment Depardieu, on le cite, et des gens comme ça, mais d'autres aussi avec un comportement sexuel intolérable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je pense qu'il faut mieux éduquer et les filles et les garçons, et les éduquer les filles à leurs droits, et à savoir mieux se protéger, et les garçons à prendre conscience que quand ils ne respectent pas une fille, ils ne respectent pas leur mère et leur sœur. Mais alors les sanctions seraient quoi comme sanctions? Systématiquement Moi je suis prof, donc je crois plus à l'éducation qu'aux sanctions. Je pense que quand les gens sont éduqués, voilà. Ils n'ont pas besoin d'être sanctionnés. Oui, mais quand l'éducation ne parvient pas justement à corriger ce défaut inhérent au comportement de l'homme, une femme n'est pas un objet, on n'en dispose pas comme on veut. Durcir les sanctions et pour que ça serve d'exemple au suivant. Voilà. Que ça soit pris à la légère. Que ce ne soit pas considéré comme normal ou un problème de mauvaise volonté ou d'incompréhension. Que ce soit pris au sérieux. Donc vous êtes prof? Oui. Et alors qu'est-ce que vous enseignez? Français. La plus belle langue. Toutes les langues sont belles. On veut qu'on les parle bien et qu'on les utilise correctement. Et la dictée de Mérimée alors? Elle ne se pratique plus, la dictée de Mérimée? Je crois qu'on est loin de pratiquer la dictée actuellement, on n'en est plus là. Bon, votre prénom? Anne. Anne, je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée.